En direct du casino de Namur pour le dernier jour de ces Wallonie Series of Poker, nous voici avec notre ami Mustapha Capan qui vient de finir 4ème du main event 550€ et nous allons lui demander un petit peu de faire un peu le bilan de son magnifique tournoi, je pense. Donc qu'est-ce que tu pourrais nous dire en résumé de ce tournoi? J'ai très bien commencé le tournoi. Après, je crois, une heure, j'ai eu Breloid Valet contre Breloid 4. Ça t'est tapé au flop. Ben, j'ai doublé tout de suite. Et là, j'ai dit, maintenant, c'est mon tournoi, je vais aller très loin. Mais après, ça n'a plus bougé, ça a arrêté. J'ai tombé jusqu'à 90 000. J'ai fini la soirée avec 103 000. De ma tête, j'avais quelque chose de 250 000 parce que j'avais bien commencé. Après, deuxième jour, je rame, je ne vois rien. Je rame jusqu'à la fin, presque. Une fois, je suis dans la bulle, j'étais content parce que je n'avais pas beaucoup de jetons. Et dans un coup, je suis au tapis avec As-Dame contre As-Roi. Je touche mon dame. 5 minutes plus tard, je fais tapis avec Roi-Valet contre As-Dame. Je touche mon roi. Et là, j'ai 700 000 jetons, en moyenne 500 000. Et là, j'ai dit, mais non, je vais aller au bout. Et Kevin Van Der Smith vient à ma table. Et lui, il attaque pas mon pack blind jusqu'à ce que je doublé. Et là, il dit, maintenant, on joue. Je dis, d'accord. Ben là, avec les As, il relance sur mon big blind. Je snap call pour pas faire montrer que j'ai les As. Et là, il me paye un truc bizarre avec 9, 7, 8, je crois, au flop, turn à brique, rivière 9. Je suis au tapis, il me paye avec valet 8. Là, je double, je monte à 1200, quelque chose comme ça. Et après, c'est Joël Benzino qui vient à ma table. Et lui, il attaque toutes les mains, 5 fois filet. J'ai dit, j'en ai marre. Je relance, il fold. Après, le big blind, je relance avec dame 10. Il me paye, flop, vieux, as valet 5. Je vais relancer, je représente un as, il me paye turn à roi, je fais quinte max. Et là, j'ai pris beaucoup de jetons parce que Rivière, je revois 400 000, il me paye. Et là, je dois chip leader. Et après là, je me suis dit, chip leader, je peux aller à l'étape finale. Je peux peut-être gagner le tournoi, mais on ne va pas faire le con, on va quand même essayer d'aller à l'étape finale. Et je n'ai pas réussi, jour 3 aujourd'hui, j'ai perdu des jetons. J'ai monté 2800, après j'ai perdu beaucoup de jetons. À un moment, j'étais short stack, j'ai dit c'est pas possible, je ne vais pas finir 18e, 17e, j'étais chip leader. Et là, j'ai pris une heure ou deux d'être relax, de folder ma main, j'attends le beau spot. Je n'ai pas trouvé. Valet 7 doublé contre paire de 3. As 9 doublé contre paire de 6. Avec As Roi, avec paire d'As, j'ai fait As Roi aussi contre paire de 8. J'ai touché, et tous les conflits j'ai gagné, après, top finale, et une belle 5e place, je crois. Oui, belle 5e place, surtout quand on sait que sur la fin, c'est surtout le hasard qui va décider un petit peu plus des dernières places, tant les blindes sont élevées, et, les joueurs un petit peu serrés. Oui, avec les blindes comme ça, le grec là, joue très très bien, joue agressif, mais je ne vois vraiment rien du tout. À la fin, j'ai eu quelques cartes, j'ai ouvert le tapis dans le noir, et j'ai fait semblant que j'ai vu ma carte et j'ai pris beaucoup de jetons. Et quand j'ai vu paire de 8, j'ai ouvert le tapis, mais les blindes de 200, 400 000, c'est le hasard, c'est fini le poker, et tu espères que tu vas toucher et tu gagnes, voilà. Et en conclusion, donc, tu as passé une très bonne semaine ici au Casino de Namur, tout au long de ce festival, qui je pense, d'un avis commun, d'une très bonne qualité à tout niveau. J'ai passé une très très belle semaine parce que le 303, j'ai fait 17e. C'est déjà magnifique. Et je me suis dit, le 500, c'est pas possible. Encore une fois, la dernière 20 personnes, j'ai quand même réussi. Mais les deep sec, ce sont mes tournois. Toutes les deep sec, normalement, j'avais très loin, ce sont mes tournois. Mais cette semaine, c'était magnifique à Namur. Je suis très content que j'ai fait le plus gros gain jusqu'ici à Namur parce que j'aime bien jouer à Namur. Mais la prochaine, ce sera à Cannes. Et après, on verra. Je suis très content maintenant. Je sais pas quoi dire maintenant. On va laisser te laisser te reposer un petit peu et savourer cette belle place. Merci. Je vais téléphoner à ma femme parce qu'elle ne sait encore rien du tout. Merci beaucoup. Merci. Merci.